Bonjour à tous, soyez les bienvenus à cette conférence de presse. James Cameron va nous rejoindre d'ici quelques minutes, donc je pense qu'on sera à l'heure pour midi pile. Je vous présente les gens qui sont avec nous. D'abord, nos deux complices et camarades de la Avatar Foundation, Maria Willem et Kim Butz. Vous pouvez les applaudir, parce que sans elles, il n'y aurait pas eu d'exposition. Et Mathieu Orléans de la Cinémathèque française, qui lui aussi est le commissaire de cette exposition. Maria, quelques mots ? Vous voulez dire quelques mots ? Et Anaïs Duché, qui va traduire les propos de nos amies américaines. Thank you. Speaking for my extraordinary colleague, the creative director of the Avatar Alliance Foundation, Kim Butz, and in advance of Jim arriving, I just wanted to say a very few things. Why we're here. This is a philanthropic commitment, and it is really about the trajectory of ideas. How do ideas start? How do things grow? But if there is a principal message in this, in really what Jim Cameron embodies, it's this, that his parents never said to him, you can't. They always said, you can. So what Jim expresses is something that I think every single one of us in this room aspires to, and also in our own work, we hope, expresses. And that's the unbounded imagination. That's the boldness of creativity. So we thank you, we thank the Cinémathèque Française for being our partners in sending what we think is one of the most important messages in general, that we can, that we have agency, that we can dream. And we can realize our dreams. So thank you very much. Merci. Anaïs. Alors, au nom de mes collègues extraordinaires, dont la directrice créative de la Fondation, Kim, ici, je voudrais juste dire quelques mots pour expliquer pourquoi nous sommes ici. Cette présence et cette exposition, c'est un vrai engagement philanthropique qui explique la trajectoire d'une idée, qui explique comment une idée, où elle commence et comment elle grandit ensuite. Et si James Cameron incarne une chose, c'est vraiment ça. C'est que ses parents, depuis toujours, ne lui ont jamais dit « tu ne peux pas », ils lui ont dit au contraire « tu peux ». Et ce qu'il exprime lui et ce qu'on veut exprimer, c'est ce à quoi chacun d'entre nous aspire. Et on aimerait, qu'on a envie que notre travail l'exprime. C'est l'imagination sans bornes, c'est l'audace dans la créativité. Et donc pour cela, je remercie la Cinémathèque française d'être notre partenaire dans l'expression de ce message que l'on peut rêver et que l'on peut réaliser ses rêves. I want to say one more thing. I apologize. I'm going to say just a couple of other things. I do want to acknowledge and thank, along with the Cinémathèque, along with the French Ministry of Culture, our extraordinary philanthropic partners, a daily relationship for 12 years, and that's Rolex. Rolex has been with us every step of the way on some of the boldest things that Jim Cameron has done. That is the Challenging the Deep exhibit, where Rolex made an extraordinary commitment to science, to deep ocean science. I think, as you all know, Jim is not only a noted filmmaker, he is a historic and singular deep ocean explorer. I also want to thank Julien Dupré and Stéphane Moussakis, very good friends of ours who connected us with the Cinémathèque, and that's the reason we're here today. So again, thank you. We are very grateful.
Je voudrais aussi donc donner quelques remerciements à nos partenaires pour leur travail, la Cinémathèque française et le ministère de la Culture, et aussi Rolex, avec qui nous avons une relation depuis 12 ans, qui est présent à nos côtés depuis 12 ans, et notamment pour la première exposition Challenging the Deep, parce que comme vous le savez, James Cameron n'est pas seulement un grand cinéaste, c'est aussi un grand explorateur des fonds marins, et nous remercions aussi les amis qui nous ont mis en contact avec la Cinémathèque. Merci beaucoup, Maria. Kim, est-ce que vous avez tout de suite quelque chose à ajouter en attendant Jim Cameron? Well, as long as we're thanking people, I would. This project started out as an idea of Maria's, and Chris Prince and I put a book together that's called Tech Noir, which is basically the trajectory of ideas. And so I'd really like to call out Chris Prince and how he has been a, you know, editorial genius on putting together the copy for this exhibit. And I think Chris is in the room. So it, I started out, this was my COVID project. I was landlocked in Los Angeles and Jim had a vault of some 1,200 pieces of art. So what you're seeing in this exhibit is about 225 pieces of 1,200. I was, we would be asked by Rolex specifically to have images for some of their campaigns. And so we said, Jim, why don't we just go ahead and put this thing together? He never thought there was a book, and let alone an exhibit. But I think when you take a walk through the exhibit, you'll see how basically, there are four or five main ideas that started out in childhood and go all the way through his Avatar productions. So it's pretty impressive. I'm honored to be able to be the one that was, you know, tasked out with putting this together. But as I was scanning these images and putting everything together for the book, it was just like you really see somebody who's a storyteller. And a magnificent way of, you know, each one of these images, like as I put them together, you've never seen an image like this. You know, it is really something that we wanted to showcase is how, you know, the thought that went behind it. So anyway, I hope that's communicated well. We had an excellent team at Cinematheque, Goth. With her production team has been incredible to work with. So, yeah, I just want to thank everyone that's been involved. Donc ce projet, il est sur une idée de Maria et aussi de Chris Prince, que je voudrais remercier. Moi, j'ai publié le livre Tech Noir, je l'ai assemblé, qui montre cette trajectoire des idées. Et Chris Prince l'a aussi magnifiquement mis en place. C'était un peu mon projet Covid. Moi, j'étais confinée à Los Angeles et James Cameron avait chez lui plus de 1200 œuvres. Et dans l'exposition, il y en a environ 225 pièces de cette œuvre. Rolex nous demandait des images régulièrement pour ses campagnes. Et j'ai dit à James Cameron, pourquoi ne pas en faire quelque chose ? Et lui ne pensait pas qu'il y avait matière à faire un livre, encore moins une exposition. Mais quand on va se balader dans l'exposition, on voit à quel point, dès l'enfance, il y avait 4-5 idées principales qui l'ont suivi vraiment sur tout son parcours jusqu'à Avatar, ce qui est très impressionnant à voir. Et moi, je suis très honorée d'être celle qui a pu justement assembler tout ça et de montrer à quel point c'est un conteur qui a une vision magnifique. Quand vous voyez ces images, vous dites on n'a jamais vu une image comme ça. On espère que voilà, tout ça est transmis dans l'exposition. Et je voudrais remercier toutes les équipes de production. Merci Kim, merci Maria. Moi-même, j'ai quelques remerciements à faire rapides mais chaleureux à toutes les équipes de la Cinémathèque française qui ont vraiment beaucoup, beaucoup travaillé et depuis très longtemps pour que cette exposition spectaculaire ait lieu, et en particulier la direction de la production des expositions. Donc un grand merci, je crois qu'elles sont dans la salle, à Agathe Moroval, à Sophie Regard-Baldassari et à toutes les équipes, parce qu'elles ont vraiment beaucoup, beaucoup travaillé. Je pense que vous pouvez les applaudir, surtout si vous descendez de l'exposition.
Mathieu, est-ce que tu peux nous dire en un mot, après Maria et Kim, comment le travail de l'exposition est autour donc, de ce corpus de plus de 1000 pièces de Jim Cameron s'est organisé pour arriver à ce résultat au cinquième étage? Ben, merci encore à Maria et à Kim pour leur confiance. Ça a été un voyage extraordinaire dans la phase totalement immergée et inconnue de James Cameron. On le connaît tous évidemment comme le grand cinéaste qu'il est, un peu déjà en France aussi grâce à ses documentaires 3D sur la dimension d'exploration sous-marine, on en a parlé tout à l'heure, mais peut-être que cette partie de dessin qui est très vaste, qui est très hétérogène et certes qui est la moins connue du grand public, et ici on a l'occasion totalement inédite, non seulement en France mais dans le monde, de les voir en vrai. On a tenu à ce que la plupart des dessins soient évidemment des originaux, et ça c'est très très fort quand on les voit. Il y a une grande hétérogénéité de dessins, parce qu'il y a des dessins très techniques, il y a des dessins qui ont valeur d'œuvre d'art à part entière, où il y a un travail de la lumière qui nous fait presque penser à des peintures, il y a des storyboards, en tout cas il y a toute une diversité qui moi m'a saisi, vraiment j'ai l'impression d'être face à un trésor. Ça avait été communiqué un petit peu pour certains à l'époque sur les tournages des films, parce que certains dessins avaient une valeur utilitaire de pouvoir incarner une vision, incarner une scène, un mouvement, un cadrage, comment ils voyaient le rapport de l'ombre et de la lumière avec un corps au milieu. Donc ces dessins pouvaient parfois circuler, ce qui explique que certains aient un peu une sorte de pâte, de vernis un petit peu abîmé, mais qui leur donne toute au contraire une consistance et une beauté. Certains, comme je l'ai dit, ont valeur carrément d'œuvre d'art. Et nous, le travail, ça a été de se dire, après tout, la plupart de ces dessins ont une finalité qui est celle du cinéma, qui est celle des films. Alors il y a quelques cas de films non réalisés, de films fantasmés, de films de jeunesse, mais la plupart malgré tout ont cette finalité qui est le cinéma. Et donc on a tenu effectivement avec Agathe dans nos discussions à se dire que l'art de James Cameron c'était principalement les dessins, ce fil rouge, mais qu'aussi il fallait le mettre en perspective avec le cinéma. Que ces dessins c'était comme des phares qui éclairaient autrement les films et qui leur donnaient une nouvelle perspective. Et donc le cinéma, comment il arrive dans une exposition, ben ça on le sait sous forme d'extraits de films, mais pas seulement, on a tenu aussi à choisir des choses un peu rares, de making-of par exemple, qui montrent l'envers du décor des films, quelque chose qui est très important, surtout dans une partie où on veut expliciter un peu les inventivités technologiques de James Cameron, et puis aussi des objets 3D. Là aussi, on a la chance de pouvoir, avec la fondation Avatar Alliance Foundation, de pouvoir montrer des objets vraiment uniques, qui sont parfois des accessoires, qui sont parfois des objets qui ont servi au tournage. Et puis aussi, je tiens à les remercier parce qu'ils sont dans la salle, le Musée du cinéma et de la miniature de Lyon, qui a aussi toute une collection de cinéma pop qui nous manque cruellement à la Cinémathèque, qui permettait d'incarner au sens le plus strict, Alien en particulier, ou Terminator 2. Et donc tout ça, voilà, tout ce montage, tout ce travail, ça a été de faire vivre les dessins pour eux-mêmes, mais aussi dans le dialogue qu'ils pouvaient créer de manière unique avec le cinéma. Et on a la chance d'avoir fait un catalogue qui m'a parlé de la version américaine, avec Chris Prince, qui nous ont aidés avec l'éditeur Inside de faire une version nouvelle, française, un peu plus courte, c'est vrai, mais qui représente quand même et qui donne à voir une immensité quand même de ce champ qui est celui de Cameron illustrateur, Cameron dessinateur, Cameron artiste, et avec la chance d'avoir aussi quelques textes originaux spécialement pour la version française, en particulier un texte de notre président Costa Gavras. Donc voilà, c'était une expérience magnifique. C'est le seul manquant parmi nous ce matin, c'est Costa Gavras. Mais Costa Gavras, il est en pleine activité, donc il tourne. Donc il ne nous rejoindra que ce soir pour saluer James Cameron. Je crois qu'il est prêt, si vous voulez bien l'accueillir, messieurs, dames. Monsieur James Cameron. Bonjour tout le monde. James Cameron, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous à cette conférence de presse. Vous connaissez Kim, vous connaissez Maria, vous connaissez Mathieu. Anaïs est votre traductrice. Juste une question avant de laisser la parole à la salle. Vous avez découvert
l'exposition hier. Donc maintenant, vous la connaissez. Est-ce que je peux vous demander quelle a été votre première impression ? Parce que même, évidemment, si c'est un travail que vous connaissez par cœur, tout d'un coup, il était organisé, il était montré. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? What was my impression from seeing it all at once, right, tout à coup? Interesting, because I realize that it's really like a biography, you know, and looking back to the ideas that I had when I was a kid and the evolution of those ideas over time, and then as a young filmmaker, and then through to the present day, I think one of the things that Kim was able to create both in her supervision of the book and then the exhibit drew from that was the evolution of the ideas and the philosophy or whatever, you know. I mean, I don't consider myself to be a great artist per se. I think that the value of the art in the exhibit is to see that evolution of a filmmaker as an artist, because ultimately my end goal was to paint with light on the big screen, you know. And those, I now see that as those were just steps along the way. I was trying to express myself. Go ahead, sorry. Mais c'est intéressant parce que quand j'ai revu tout ce parcours retracé, ça m'a donné l'impression que c'était comme une biographie de moi, et de revenir à mes idées d'enfant et de les voir évoluer jusqu'à mes premiers pas de jeune cinéaste et ensuite jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que Kim a su créer à travers d'abord le livre puis l'exposition, c'est l'évolution d'une idée et la philosophie qu'il y a derrière. Je ne me considère pas forcément comme un grand artiste plasticien, mais la valeur de cette exposition, c'est de montrer justement le fait que le cinéaste est un artiste, parce que je peins avec de la lumière, et c'est mon moyen d'expression. Première question de la salle, si vous voulez bien. Monsieur, qui a le micro ? Attendez le micro. Voilà. Plutôt en français, si vous voulez bien. Comme ça, Anaïs va traduire à Jim Cameron la question. Je vous en prie. Alors, en anglais. Allez-y. Ok. Bonjour Jim, donc merci beaucoup d'être ici à la Cinémathèque aujourd'hui. Je fais une rétrospective sur Abyss et la création du pseudopode, et donc je voudrais vous poser une question sur les plans abandonnés de Abyss, notamment le plan où en fait on voit le pseudopode se former en espèce de crochet et d'essayer de choper l'ogive nucléaire. Ce plan a été supprimé du film, a été storyboardé. En revoyant ce plan, je me dis, comment vous avez fait pour vous dire je peux supprimer ce plan sans que ce soit problématique pour le scénario? Est-ce que ça aurait changé quelque chose de voir le pseudopode prendre cette ogive, essayer de la reprendre et de l'emmener dans les abysses avec les NTIs? I'm not quite clear on the question, because the scene with the pseudopod, right, the water tentacle, was that removed in France? Because oh, I see what you're saying, right? Because you see the maquette with the four prongs, right? And then eventually we didn't actually do where it grabs it, yeah. But that was in an early design when we were just, you know, kind of spitballing ideas, and we didn't even shoot it that way. So there was actually nothing to remove from the film. We decided to do it a different way, where it's examining the warhead. And then and we don't know what it might do next. And then Michael Biehn's character closes the door and cuts it off, and the whole thing collapses. It loses its control signal or whatever it was that was creating the water to cohere. So yeah, but that's really observant, because you can see the evolution of the ideas there, and just in those three acrylic maquettes. And that was just part of the creative process. People propose ideas, sometimes in a drawing, sometimes in a sculpture, and
And then we winnow it down to the story that we actually want to tell. I think that raises a greater question about the idea of the filmmaker as an artist or as an auteur or one of these ideas, right? That, you know, like we all imagine, you know, Hitchcock had it all perfectly in his mind in complete focus. He may well have, I don't know. The way it works for me is it's a series of propositions to a creative team, you know, and sometimes I have a pretty clear image, but I also like it to be very collaborative and people that bring ideas in, more so as I went along. You can see in my early films that I had a crystal clear idea, and then we executed on that because we had no money. We had to do only the one thing. But as I've gone on over the years, it's a much more collaborative process now. And that was beginning on The Abyss, and that's a perfect example. And that was storyboarded. Yeah, right. Oui, donc en fait, c'était effectivement sur le storyboard, mais ça n'a pas été tourné comme ça. Donc il n'y avait pas forcément quelque chose à couper, puisque au bout du compte, on a fait différemment. On voit que le pseudopode scrute l'ogive et on ne sait pas ce qu'il va en faire. Et finalement, voilà, le personnage de Michael Biehn ferme la trappe et ça permet, enfin, en tout cas, on ne peut plus contrôler. Donc ça montre, c'est un exemple très intéressant qui montre l'évolution d'une idée dans le processus créatif. Donc différentes idées sont proposées et ensuite ça va jusqu'à l'histoire que l'on veut raconter effectivement. Donc plus largement, ça montre que le cinéaste en tant qu'est un auteur. On imagine toujours que Hitchcock avait tout en tête forcément, c'était peut-être le cas, mais en tout cas moi ce que je sais c'est que ça part d'une série de propositions par les équipes. C'est un processus assez collaboratif. Parfois, j'ai des idées assez claires de ce que je veux faire. Mais en tout cas, ensuite, ça devient collaboratif. Dans mes premiers films, j'avais une idée peut-être plus limpide et il fallait l'exécuter telle que je l'avais imaginée parce que j'avais un petit budget. Mais avec les années, maintenant, c'est de plus en plus quelque chose qui se fait en équipe. Isn't she great? Vous comprenez? All right. Je rappelle que James est canadien. On parle aussi français dans votre pays. Un peu. Monsieur. Allez-y, monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'être là et merci à tous ceux qui ont travaillé sur l'exposition. C'est magnifique. Je voulais parler justement du processus de collaboration avec les artistes. Vous êtes un artiste et je voulais savoir comment vous discutez, vous travaillez, vous partagez votre travail avec les illustrateurs et les designers qui travaillent sur vos films. Et je voudrais prendre un exemple précis. Doc Cheng a été engagé pour visualiser le T-1000 dans Terminator 2. Et est-ce que vous vous souvenez de votre collaboration avec lui sur le T-1000? Yeah, well, thank you for that. Yes, it is a very collaborative process. On the early films, the first two, Terminator and Aliens, on Terminator, I basically drew everything because we had no money. So I figured, okay, I'm a designer. That's one salary we can take out of the budget, right? By the time I got to Aliens, I was able to work with some top artists like Ron Cobb and Sid Mead, who were top designers in science fiction films at that time, so I felt like I'd really arrived. I still wanted to do some of the design work myself, so we basically split it into one-third, 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 and I did the military stuff, the costumes and the weapons, and I mean, you can see it in there, the parts I did, and then Ron and Sid Mead did everything else. Then subsequently on the Abyss, I just worked with other artists. You can see that my artistic contribution to The Abyss was considerably less. And why don't we let you translate that, and then I'll go back and talk about Terminator, because I worked with Stan Winston on that film, and that was an interesting collaboration. Alors oui, sur mes premiers films, donc les deux Terminator et Aliens, c'est moi qui ai tout dessiné pour des questions de budget. Hein, c'est ça en moins qu'on avait à imputer à notre budget. Sur Aliens, j'avais quand même deux autres collaborateurs, des vrais designers, dessinateurs. Donc on s'est partagé le travail en trois et on voit dans l'exposition que moi j'ai continué à dessiner, par exemple, tout ce qui est les uniformes militaires. Et ensuite, sur Abyss, ma contribution artistique a commencé un peu à être moins importante. J'ai engagé d'autres personnes, mais donc pour revenir à Terminator. So on Terminator, I worked with Stan,
And Stan and I hit it off right away. We became great friends, and we were best friends through the end of his life, which unfortunately was cut short by cancer. But I was fascinated by how Stan and his team could make these things real through sculpting and mold making and so on. And Stan always thought that the art was the most important thing. And he had his own little stable of artists that were very, very talented. But when I walked in, I'd already kind of drawn it all up because I didn't know who was going to have to execute on this. And Stan, to his credit, just embraced the design and then started thinking about, all right, now how can we actually do this? He had done robot suits in the past, but obviously the Terminator was about an endoskeleton that was within a human body. Yes, a big body, obviously Arnold Schwarzenegger, but still it was the opposite problem. How do you design something that could be inside somebody, not something that could be outside and worn like a C-3PO or most of the robot characters that had existed before? So they had to really think about how they could use puppeteering, and they settled on a Bunraku style where it's puppeteered with rods and things that are external. And of course, there was no digital removal at that point, so we had to be very clever about our lighting and our framing and all those things. And he and I just formed this great collaboration around that, solving that problem. Are you okay with that much? Et donc oui, Stan est devenu, on est devenu amis dans la vie, on était déjà amis et dans sa vie qui malheureusement a été écourtée par un cancer. Et il avait avec ses équipes cette grande capacité à rendre les choses très réelles. Et pour lui, l'art était le plus important. Il avait toute une écurie d'ailleurs d'artistes, mais moi j'avais tout dessiné à l'avance sans savoir qu'il avait à sa disposition beaucoup de personnes talentueuses. Et je dois reconnaître que il a été incroyable parce que il a tout de suite pris mes idées en compte. Et alors que c'était une difficulté d'avoir un endosquelette à l'intérieur d'un corps, d'habitude les robots qu'on voyait au cinéma jusque-là, c'était l'inverse, et c'était pas comme les robots habituels. Il a fallu mettre au point des techniques avec des marionnettistes et qui en fait les maniaient, ces marionnettes depuis l'extérieur, et avec des procédés mécaniques. Et comme il y avait beaucoup de monde qui maniait ces choses-là au fur et à mesure, il fallait faire très attention à notamment au cadrage, etc. Monsieur là-haut, oui, allez-y. Là, c'est bon. Voilà. Bonjour, Matteo Maestracci de la radio France Info. J'ai une question sur la relation de James Cameron avec la France et en particulier la presse et la critique française. Il y a pas mal de cinéastes des années 80 qui faisaient des films d'action ou des films de genre, comme John McTiernan, comme John Carpenter, qui ont été à ce moment-là un peu descendus ou méprisés par une partie de la presse, et ensuite seulement leurs œuvres ont été réhabilitées, on les a considérés comme des auteurs. Est-ce que vous, James Cameron, vous avez l'impression que vos films ont été bien accueillis par la presse française dans ces années-là, ou est-ce qu'il a fallu du temps pour que ça arrive ? Merci. Well, that's an interesting question. I didn't realize that John Carpenter's work, for example, which we all celebrated as young filmmakers, as you know, what we call guerrilla filmmakers, that was not accepted here and was discovered later. I recall the Terminator and Aliens, my first films, being well received here, so I don't think there was a rediscovery process. But I do think, for example, that Avatar, The Way of Water, was very well received here, disproportionately even to the rest of the world. I think it was on a per capita basis, on the basis of the population of country, France was the number one territory. So my impression, and I may be wrong, is that I seem to have had a relatively loyal fan base over time for my films here, and it's continued to grow over time. So I always feel kind of welcome here with the cinematic ideas that I'm trying to express. For some reason, they seem to resonate better here. Of course, you know, you have critics in every place in the world, you know.
And that's okay too, you know, that's what I think that's what art is all about, is to throw ideas out there, see who accepts them, see who challenges them, let it start a discussion, you know, I enjoy that part of it. Je ne savais pas que des cinéastes, par exemple, comme John Carpenter, n'avaient pas forcément été bien considérés à l'époque et qu'ensuite, ils ont été redécouverts plus tard. Pour mes films de mémoire, les deux Terminator et Aliens, ils ont, je crois, été plutôt bien accueillis ici. Donc, il n'y a pas eu de redécouverte à faire réellement. Mais je me souviens aussi que Avatar, la voix de l'eau, a été très, très bien reçu en France et même de façon presque démesurément bien reçue par rapport au reste du monde. Et je crois que la France, par rapport à sa population, et le pays dans lequel le plus de personnes ont vu le film. Et donc je pense que j'ai eu plutôt des fans fidèles, voilà, une fanbase qui est restée fidèle et qui a continué à grandir avec le temps, et que mes idées de cinéma ont eu de bons échos ici. Après, c'est normal d'être critiqué. En tant qu'artiste, on lance des idées et c'est normal aussi qu'elles plaisent, qu'elles ne plaisent pas ou qu'elles aussi qu'elles ouvrent le débat. I'd just like to add to that quickly that one of the things that strikes me about the French audience is that in this country, you know, cinema has been kept alive as an art form and as something important, you know, not just as pure entertainment. Some countries, like I would say, you know, Japan has almost turned its back on cinema in the sense of the cinema experience, going to a theater. And I think it's alive and well here, and it's considered important, culturally important, not just, you know, kind of frivolous entertainment. And I think that's important, and I just applaud that. I applaud that French audiences have this sense that you know, cinema is an important expression, human expression, and a lot of places that's not the case. Et je suis frappée globalement de voir les publics en France et de voir à quel point le cinéma est encore célébré de façon très vivace et vivante comme une forme d'art, comme de la culture, et pas comme un simple divertissement frivole. Il y a beaucoup de pays qui ont un peu renoncé à cette idée du cinéma comme un art et comme de la culture. Des pays peut-être comme le Japon qui ont un peu tourné le dos à l'expérience aussi de la salle. Donc j'applaudis ça et le fait que la France considère encore que c'est une importante expression humaine. Mode d'expression. Qui a le micro par là, ici, et vous passerez ensuite à devant avec le chapeau là qui attend depuis un moment. Allez-y. Il faudrait l'ouvrir. Voilà. Bonjour. Ah. Bonjour Monsieur Cameron. Je m'appelle Julien Josselin. Je suis scénariste français et vidéaste. Et j'ai toujours été un très très grand fan du film Titanic dont j'ai étudié le scénario très très longtemps. Et je me suis posé une question, j'ai voulu faire une expérimentation vidéo, et en fait je me suis posé la question, est-ce qu'on peut, en changeant un tout petit détail dans l'histoire, changer au final l'ensemble du film? Et donc j'ai réalisé moi-même ma version de la fin de Titanic. Ma question c'est, Monsieur Cameron, est-ce que vous accepteriez de me donner une minute de votre temps après ce Q&A pour que je vous montre ma fin de Titanic, s'il vous plaît? Okay. Any clues? Do you want to share any spoiler alerts? Vous pouvez nous donner des petits éléments? We actually shot an alternate ending to Titanic, in which Bill Paxton's character sees old Rose throw the diamond away, or actually about to throw the diamond away, and pleads with her not to do it. And we had this whole elaborate storyline that led up to that. And my wife, Susie, played the other, you know, the other character in that scene, and it was really about, you know, what did we learn from the lesson of Titanic? And it was just too much. The film didn't need it. We wanted to be swept out of the theater on a wave of emotion around Jack and Rose. So, you know, I cut all that stuff out. But I had really wanted to shoot an alternate that went as part of the alternate only to show to the studio one time. And it went like this. When they see her throw the diamond away, the big guy with the beard pulls out an Uzi and just blows her in slow motion off the back of the Titanic.
And I wanted to show that to the studio, just because that's my perverse nature, that after they had spent all this money and they believed we were all doomed and the four of you was doomed and everything. And I said, what, you know, and I just wanted to see the looks on their faces, but we never did it. Là donc on a tourné une fin alternative où le personnage de Bill Paxton voyait Rose donc âgée qui s'apprêtait à jeter le diamant avec à côté ma femme Suzy qui joue donc le rôle de sa fille et en fait finalement on n'avait pas besoin, j'ai trouvé que le film n'avait pas besoin de ça et que je voulais que les gens quittent la salle de cinéma avec cette émotion très forte, cette vague d'émotion qui les envahissait, mais j'étais tentée de montrer ça au studio un peu pour leur faire peur et c'est un peu ma petite nature perverse juste pour voir leur tête, mais bon finalement je l'ai pas fait. Julien Sauvadon, France 3. Il y a des pièces extraordinaires qui proviennent de votre propre collection dans cette exposition et puis il y a aussi des pièces, des souvenirs de vos tournages, je suis là, des souvenirs de vos tournages qui proviennent du musée cinéma et miniature de Lyon dont la vocation est de préserver, de restaurer ce genre de souvenirs de tournage. C'est le cas notamment du T-1000 ou du Terminator ou du costume d'Aliens. Je voulais savoir ce que ça vous a fait hier quand vous avez visité l'exposition de revoir ces pièces assez rares finalement et qui datent d'il y a une quarantaine d'années. Well, I think, you know, for any fans of the films that I've made, I think it's an interesting journey. It's a very interesting journey for me to go through it. As I said, it's a bit biographical. And to see, I think what Kim did that's quite remarkable is she was able to group the art and support it with clips from the films thematically into these kind of separate buckets. And so you can kind of follow the progress from some of the earliest very, you know, kind of juvenile pieces in grade school and then in high school and then onward into college and see how they ultimately got included into the movies that I made, but in different categories like, you know, robots and post-apocalyptic themes and the idea of bioluminescence and our connection to nature and all those things. So I think there's an organizing principle in the work that I wouldn't have seen. When we just pulled all this stuff out, we were doing something for Rolex and we just pulled out a bunch of old art that was just in boxes and I said, these are all just scraps, they're just bits of notebooks from high school and college and things like that. I didn't think there was any value to it. And Kim started to go through it, and that's when she started to see these patterns and then link those patterns to the movies, you know. So when I walk through the exhibit, I'm actually surprised at the connection. I'm kind of surprised at how little I've actually evolved in my thinking over the years. I'm basically the same kid now that I was then. But, you know, I always tell everybody, I only have 5 good ideas. I just keep reusing them in different ways. Pour tout fan, je pense que ça peut être intéressant de voir ça. Pour moi, évidemment aussi, de voir comme ma biographie. Et je trouve que le travail remarquable de Kim a été de regrouper ses œuvres, de les coupler avec des extraits, et ensuite de les organiser sous forme de thématiques. Et on voit mon parcours un peu chronologique depuis quand j'étais écolier, puis ensuite étudiant, et ensuite comment ces œuvres ont été petit à petit intégrées dans mes films. Mais dans différentes catégories, la catégorie robot, la catégorie monde post-apocalyptique ou la bioluminescence et le lien avec la nature. Et au départ, moi, quand on a sorti des pièces ou des œuvres pour Rolex, moi, je voyais ça un peu comme des vieux carnets, des choses qu'on récupérait, un peu des fonds de tiroir. Mais Kim, elle y a vu des motifs récurrents. Et moi-même, après coup, je suis très étonnée de ces liens qui sont faits. Et surtout, je me dis étonnée de à quel point, finalement, j'ai pas évolué dans ma conception, dans mon imagination. Je suis toujours le même enfant. Et comme je dis souvent, j'ai 5 bonnes idées que je recycle dans mes films. Does Jack die in your ending? Ah, est-ce que Jack meurt dans votre fin aussi? Just popped into my head. I wanted to find out.
Allô ? Oui, on m'entend. Bonjour. Par ici. Ici. Bonjour, Monsieur Cameron. Perle Amsica pour La Perle. J'ai été subjuguée par vos dessins dans cette exposition, peut-être plus que vos films. Autant. très simplement, j'aimerais vous entendre plus en détail pour savoir quelle place ça tient dans votre processus de création et savoir si vous utilisez aujourd'hui les outils d'intelligence artificielle comme Midjourney pour dessiner vos storyboards ou pour penser vos films. Merci. Okay, well, I'll get to the AI thing in a second. Obviously, thank you, by the way, for the compliment. That's very kind. So drawing and expressing visually was just something I was doing before I became a filmmaker. To me, filmmaking was the next step of expressing ideas visually. And I used drawings for storyboarding, for myself, for design, and so on. And you could see that I relied on my own skills. When I had the opportunity, I hired people better than me, and then I focused more on the finished product, the finished image of the film. And so now, like for example, on the Avatar films, we have an art department with a number of artists that work in it that are exceptionally talented, really, and it's really such a joy to work with them. I may sketch something up very quickly, or I may just give them a verbal description. And then the art that they bring to it is so inspiring to me. I was even sharing it with the other writers when we were doing the scripts for the Avatar sequels. We just put the art up on the wall. So it's very much a feedback loop. It's part of the process. You get the images down, and then you start to, and then that helps with the storytelling, and then the storytelling inspires the images. So it's a positive feedback loop. Why don't you do that, and then I'll deal with the AI portion. Merci beaucoup de votre compliment. Le dessin, ça a été ma première expression artistique visuelle avant même d'être cinéaste. Le cinéma, c'est venu après, donc c'était une étape ultérieure. Et ensuite, je m'en suis servi du dessin pour faire mes storyboards, pour les décors. Donc j'ai utilisé mes compétences à moi. Et puis ensuite, j'ai engagé des gens qui étaient encore meilleurs que moi pour faire ça. Et pour Avatar, on a tout un département artistique avec des gens de très grand talent avec qui j'adore travailler. Quelquefois, moi, je vais dessiner un croquis ou je vais leur faire une description avec des mots de quelque chose que je vois, mais leur dessin à eux m'inspire aussi énormément et pendant la production d'Avatar, j'ai accroché au mur leur dessin et ça crée comme ça un cycle créatif, la narration nourrit le dessin et le dessin nourrit la narration. So with respect to AI, this is a complicated subject and we're just now confronting how it might impact cinema and art in general, but that's relatively recent because of generative AI. But if you go back before generative AI, there was machine learning, you know, deep machine learning. We were using that as a tool on the Avatar films. For example, when we have to create a forest, we'll generate models of some of the foreground plants as examples, but then in terms of, we'd actually grow the forest almost following ecological rules using machine learning principles and algorithms. So in order to do the world building beyond the immediate foreground, at that point we'd use machine learning algorithms to do that. But we never generated images with generative AI, the way you can create still images and video images. And I don't see that being a part of our process on the Avatar films. Other than possibly, it might be a way for us to quickly storyboard sequences. I can imagine a scenario where our data set that we scrape from is entirely other world building that we've already done for the Avatar world. And we ask Gen AI to create new images for us based on the images that we've already created. I can imagine that being a possibility, but we would never use it to create the finished image because the finished image is based on the actors. It's based on what the actors actually do, what their process. Why don't you go that far and then I'll continue. Are you okay on the terms? Yep. Perfect.
Oui, donc l'IA, c'est un sujet complexe et on est seulement en train de se rendre compte à quel point ça va ou ça peut affecter le cinéma. Mais il y a plusieurs types d'IA. Donc il y a l'IA générative aujourd'hui dont on parle beaucoup, mais on l'a déjà utilisé, nous, l'IA, les formes précédentes d'IA, le machine learning par exemple, on l'a utilisé comme outil dans Avatar pour créer des forêts. En fait, on mettait donc au premier plan des plantes et ensuite les algorithmes fonctionnaient à partir de règles écologiques, donc de la forêt, pour augmenter et pour créer ces forêts de façon large. Mais on n'a jamais généré d'image originale avec de l'IA générative. Moi, je ne vois pas ça comme un outil que je vais utiliser pour la série des Avatars. Peut-être pour storyboarder rapidement des séquences, créer des nouvelles images, mais sur la base d'images que l'on a déjà créées, mais jamais pour créer des images finales, parce que les images finales, elles viennent de ce que nous donnent les acteurs. Right, so you've got machine learning, which we've been using for 20 years. You've got generative AI, which we don't use at all, although I think there are people that think we use a lot of AI in Avatar films to create the worlds that we do. But it's all designed by people. It's modeled by people. Like I said, some of the distant things in the coral reef and in the forest might be generated that way. But the things that are important are created by people. So it's me with my virtual camera doing the framing. It's the actors doing the performance. It's the art directors creating the colors and the designs of the creatures and all the models down to every piece of the coral reef, every fish, everything that you see in front of the camera. I always say every blade of grass is conceived of by a human. And we're proud of that. You know, it's a very human-centric process. It's a very actor-centric process. It's about, you know, the human impulse, the human vision, and the human emotion, and us trying to capture that. You know, there's another aspect to AI, which obviously looms still in the future, which is the idea of AGI, artificial general intelligence, which may be more powerful than us, more intelligent than us. And you know, I always joke, you know, I made a movie about that back in 1984. It didn't turn out so well. Donc le machine learning, c'est quelque chose qu'on utilise depuis 20 ans, mais l'IA générative, jamais, même si certains pensent que sur Avatar, c'est ce qu'on a fait. Mais tout est dessiné par des humains. Il y a seulement, voilà, comme je disais, dans les forêts, les choses comme ça, des arrière-plans. Mais tout ce qui est important, c'est fait par des humains. Donc que ce soit moi avec ma caméra virtuelle pour un cadrage, ce que nous donnent les acteurs quand ils jouent, et les designers, donc les coraux, les poissons, tout est... Et j'aime bien dire que chaque brin d'herbe est conçu par un humain, c'est quelque chose dont on est fier, parce que pour nous c'est un processus qui est humano-centré, parce que ce qu'on veut partager c'est une vision humaine, c'est un élan humain, une émotion humaine. Et après il y a d'autres aspects de l'IA, donc la prochaine génération d'IA, des IA qui seraient plus intelligentes que nous, qui pourraient arriver. Et moi j'aime bien blaguer en disant moi j'ai fait un film là-dessus il y a 40 ans qui s'appelle Terminator, et ça tourne pas très très bien en fait. Yeah, and I think we're all going to get replaced by a machine superintelligence sooner or later, so, you know, have fun. Moi, je pense qu'on va être remplacé très bientôt par des machines super intelligentes, donc bonne chance. Oui. Ilana Penso, je voudrais vous dire, Monsieur James Cameron, que c'est un honneur de vous parler. Je pensais que c'était impossible, que vous étiez un personnage vraiment fantastique et que vous n'existiez pas. Et je vous voyais que dans les films. Alors, tous les fantasmes que vous avez parcourus jusque-là me poussent à vous poser une question, et cette question évidemment qui est analysée dans tous vos dessins qui remémorent tous vos films. Et ma question est un peu indiscrète, et pardonnez-moi de vous la poser. Comment dessinez-vous votre sommeil? Parce que avec tout ça, comment vous dormez? Parce que je ne pourrais pas dormir en faisant des films comme ça. Comment vous faites? Very impassioned question. Okay. I'm just an AGI, I don't really exist. Bon, j'existe pas vraiment en fait, je suis un robot d'IA. How do you draw your dreams and how do you sleep with the dreams that you make?
Well, look, I think I love dreams, and I even love nightmares, because I get a lot of good story ideas from nightmares. I love the dreaming process, you know, which is just the mind entertaining itself and running that storytelling engine, you know. And I find that the actual dreaming process, you know, when sleeping, is not dissimilar to facing the blank page of telling a story, writing a script. And I write or co-write all my films. And just like in dreams, things happen where one part of your brain is surprising and amusing or terrifying the sort of subjective part of your brain, the me in the story. When I'm writing, sometimes the characters take on their own life, and I'll find myself writing a line of dialogue I didn't expect the character to say. And sometimes the characters just take over and the scene goes in ways that you didn't expect. And that's the most fun in the whole thing. But I would draw your attention to a couple of things in the exhibit there. There's a drawing, not very big, on black paper that I did when I was 19. And I had a dream about a bioluminescent forest. And it was so powerful and so beautiful that when I woke up, I had to try to draw it. And I'm sure I didn't do it justice. And I drew it in oil pastel. And in it, there were these trees that looked like fiber optic lamps. And there were these little spinning orange creatures. I knew from the dream that it was a lizard-like creature that would whip out a kind of membrane like a Chinese fan and spin. I didn't draw it that way, but I knew what it was. Years later, all of that wound up in Avatar. It was the basis, really, of the idea for Avatar, that there was a planet where, you know, everything was bioluminescent. So dreams are powerful. That was a beautiful dream. I'll continue after the translation about the terrifying dreams that wound up in The Terminator and in Aliens. J'aime vraiment beaucoup les rêves et aussi les cauchemars parce qu'ils donnent de très bonnes idées également. C'est un beau processus très moteur hein, de la pensée humaine et qui n'est pas tant si dissemblable que ça de la page blanche de l'auteur ou du scénariste ou de l'écrivain. Comme moi, j'écris ou je coécris tous mes films, je me rends compte de ce processus en écrivant et même mon cerveau, que ce soit dans mon sommeil, quand je rêve ou quand j'écris, je suis souvent étonnée par ce qui arrive finalement sur ma page. Parfois, les personnages se mettent à vivre leur vie et je me surprends à écrire des répliques de mon personnage auxquelles je ne m'attendais pas forcément. Et quand le personnage comme ça prend le pouvoir, je trouve que c'est le plus intéressant, le plus plaisant. Il y a un dessin de moi qui n'est pas très grand donc dans l'expo que j'ai fait quand j'avais 19 ans sur une forêt bioluminescente. C'était un rêve que j'avais fait. C'était tellement fort, cette image est tellement beau qu'à mon réveil, j'ai voulu le dessiner. Je ne sais pas si j'ai rendu vraiment justice à ce rêve. Mais en tout cas, il y avait donc ces arbres comme des lampes cet animal, comme un lézard comme ça qui s'ouvre. Et plus tard, ça s'est retrouvé dans Avatar, dans cette planète qui est entièrement bioluminescente. Donc ça, c'était la partie des jolis rêves. Maintenant, les rêves un peu plus terrifiants. So let me continue with on the nightmare side, I was in Rome, and I was broke, I was sick, I had a fever, and I had a dream of a chrome skeleton coming out of the fire, which is obviously the origin of the Terminator. But here's what's interesting about that. What I saw in the dream was the chrome skeleton coming out of the fire. But what I knew, like there's a part of your mind that knows things about the images. I think of it almost like metadata, like there's a whole narrative going with the image. I knew that it used to be, previously was a guy covered in skin or maybe plastic covering or whatever, and that had burned away and that this was being revealed. I didn't see that whole story take place. I just saw that one image from that image. But knowing that, I then, when I woke up, I started to create the story, and then that ultimately turned into the story of the Terminator. So I think there's something very interesting about the dreaming process that there's also a kind of a storytelling that's going into every image, and we're perceiving it on multiple levels as it's playing back in our minds.
Et pour la partie cauchemar, donc j'étais à Rome, j'étais fauchée et j'étais malade, j'avais de la fièvre et j'ai rêvé d'un squelette chromé qui sortait du feu. Et donc évidemment, on sait que c'est cette image qui a fini dans Terminator. Et ce qui était intéressant, c'est que il y avait une partie de mon cerveau qui a non seulement vu cette image, mais a analysé en arrière-plan de ça, un peu comme des métadonnées, qu'il y avait un récit qui allait avec et que avant ce squelette avait été un homme ou recouvert en fait d'une enveloppe corporelle humaine. J'avais pas vu cette histoire, j'avais vu seulement cette image, mais à mon réveil, j'ai à partir de là développé l'histoire qui ensuite devient Terminator. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la perception à plusieurs niveaux qui se crée quand on revisite ensuite cette image. I'm just going to say one other thing about dreams. It's a beautiful engine of creation, but it's not very reliable as a tool, because I never dream about the movie I'm making while I'm making the film. I dream about some of the images ahead of time, I harvest from those images, then when I'm making the film, it's all a conscious process, working with the other artists and so on, and having to do the hard work of making it somehow tangible. And I don't start dreaming about a movie that I've worked on until 10 or 15 or 20 years later, and then that's always a nightmare. Et le rêve est un très beau moteur, hein, créatif, mais pas forcément très fiable. On ne peut pas compter dessus, en tout cas, parce que je ne rêve jamais des films pendant que je suis en train de les faire, ça c'est certain. J'en rêve en amont, en général, parce que ensuite, quand je fais le film, c'est un travail conscient pour rendre tout ça réel. Et quand je rêve après coup de mes films, c'est en général 10, 15 ans plus tard, et là, c'est toujours des cauchemars. Merci beaucoup, James Cameron. On va s'arrêter là. Pardon pour la frustration, mais il a un emploi du temps que vous imaginez qui est très compliqué. Moi, je voudrais juste vous dire un mot. À Kim, à Maria et à vous, Jim, merci infiniment de nous avoir fait confiance. Mais avant ça, juste un mot de l'homme de Cinémathèque. Merci d'avoir consacré du temps et de l'argent et des gens à garder toutes les traces de votre travail. Parce que quand on est un artiste conscient de ce qu'on fait, on garde. Et comme ça, ensuite, on peut le montrer dans les cinémathèques. Les cinéastes qui jettent tout, on ne peut pas faire grand-chose avec leur travail. Donc merci infiniment, non seulement de nous avoir fait confiance, mais d'avoir créé l'Avatar Alliance Foundation pour garder toutes ces traces de votre travail, ce qui nous permet aujourd'hui de les partager avec vous. Merci infiniment. Merci bien. Thank you.